Salut Makou, donc une petite interview 24 heures avant l'événement. Donc je rappelle, demain c'est le Samsung European Encounter auquel tu participes. Donc tu représenteras la Belgique. Donc on va faire un petit débriefing de cette H24 avant le SEE. Donc on a vu ta poule, donc ça sera Sort of, donc du joueur Zerg, Devil, joueur Zerg, et The Muslim, Terran, Devil, Genus. Donc, on sait aussi que le format c'est en BO1. Comment tu sens ta poule et à quoi t'attends-tu? Le Muslim, vu que c'est un terrain, moi il y a moyen de prendre la map si je fais pas un micro DHT et tout ça. Après Zerg, voir le late game. Parce que le late game, Quand on voit que c'est pas Sort si of facile. normalement sort déjà aujourd'hui Ouais, lui. de sa poule des IEM, je pense, il est premier, enfin il est dans les premiers avec 9 points, comment tu t'appréhendes ton match? Surtout que c'est en BO1, donc tout est possible, non? Un bon all-in et ça passe, mais en macro game ça m'étonnerait que je batte. Donc voilà. Sinon, Devil, je sais pas trop c'est qui. Je pense qu'il est dans ma ligue, je suis pas sûr. Mais ouais, lui, si c'est lui, mais il y a moyen de prendre une map. Donc tu sens comment alors ta poule, tu t'attends à quoi, quel est ton objectif? J'ai gagné un match, ça serait bien. À gagner un Si je fais match. la même poule, ça serait mieux. Et gagner encore Ah, mieux. donc toi en B1, donc pour toi, tu penses pouvoir aller chercher tout le monde, enfin tu vas me dire en B1, c'est pas le skill qui va faire la différence, ce sera surtout la chance, le all-in ou... Si le skill toujours, c'est ce qui fait gagner les maps, mais donc Sort of, ouais, c'est presque le seul où je serais obligé, on va dire, d'all-in pour gagner. Donc on verra. Et ça te ferait plaisir quand même de battre des Muslims, non? Qui est chez Vigenus, donc dans l'une des plus grandes structures mondiales, vu que c'est l'une des plus riches, je pense. Même s'ils ont le syndrome de la malédiction des Vigenus, donc son niveau est nettement moindre qu'il y a 2 ans à ses débuts quand il était aux IEM. Ouais, c'est vrai, ce serait sympa de battre un très fort joueur comme des musulmans. Donc, on va essayer. Et t'apprends comment le stress, parce que là, t'es déjà sorti une fois de la Belgique pour une LAN plus ou moins, on va dire, grande envergure niveau belge, donc c'était les WCS, t'as pu rencontrer Liquid Red, Curse, AKU Thermal et Grubby. Donc Grubby, c'était pas la première fois non plus qu'on le rencontrait, mais ça va quand même te faire plaisir, non, de rencontrer autant de joueurs de la scène européenne et surtout être proche d'eux, vu que tu seras derrière, enfin tu seras dans le stand de joueurs, quoi. Oh, ça fait toujours plaisir. Sauf que peut-être qu'on pourra aller voir genre des MC et ça. J'ai déjà vu la. Ouais, c'est vrai, mais ça c'est Je les pense que IEM, donc c'est ça. Ouais, sur c'est un pour autre les IEM. stand. Toi sur ton stand, il y a quand même du Nershio. Oh, lui, j'ai déjà vu aussi. Donc voilà. Tu vas essayer de discuter avec eux, quitte à essayer de gratter leur adresse mail pour train avec ou des trucs comme ça. Peut-être qu'ils le donneront, mais bon. C'est ce qu'on avait fait avec Grubby, enfin, et ça a fonctionné donc. Non, pas pour l'email. Ouais, Oh, bah si, ouais, le Skype. le Skype. C'est ça que je voulais dire. Pour ceux qui ne le savent pas, donc tu seras dans le hall 10.1 de la Gamescom, donc dans le hall Samsung. Les premiers matchs se joueront de 11h à 11h30 approximativement, donc il y aura deux départs. Ensuite le round 2 15h-15h30, round 3 18h-18h30. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous et suivez-moi sur Facebook. Au revoir. Merci.